Albert, oui. Justement, nous parlions de toi. Bonjour, Pierre. Une conversation de regard, nous évoquions les heures glorieuses. Bonjour. 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 Ça va? Comment allez-vous? Monsieur Renat, bonjour. Je vais prendre ma place, je dois téléphoner. Ah. Bon, alors vous êtes avec Pierre et moi, hein? Bon, oui, alors c'est là, moi, je dois, oui. Mon petit Albert, tu joues comme un cochon. Mais j'y suis pourtant. Hein? À moi. Oh, hey, pas mal, bien. Pas mal, ah, vous n'allez pas faire ça. Attention. Entendons-nous bien, mon cher. Il ne songe à se passer d'un homme de votre valeur. Bien au contraire. Je vous indique simplement la position de nos clients. Une disparition des usines Renal serait à bien des égards désolante. Il s'agit dans l'esprit de personne ici d'un abandon, mais d'une mutation. Quand on prépare un coup de jarnac, on trouve toujours des mots nouveaux. Sois pas désagréable. Pas encore. Votre atelier de recherche pourrait très bien subsister en marge d'un ensemble. Lequel ensemble aurait des activités moins aléatoires. Qui permettrait d'éponger les piscines. À partir de quoi nous serions prêts à investir de nouveau. Votre beau-frère, qui sans vouloir vous déplaire, est un esprit qui phosphore énormément. Oui, je sais, depuis 10 ans, il rêve de voir fabriquer des boulons, des aspirateurs et des moulins à café. Vous voyez là quelque chose de forçant? Non, mais je n'y vois rien non plus de très phosphorescent. Non, mais la controverse me paraît assez vaine. Le fait est, Albert, que si le groupe Laprane entrait dans l'affaire, notre ami Marshall se rangerait derrière lui. Et vous derrière eux, et moi derrière tout le monde. Mon cher, je ne prendrais pas la liberté de vous dire cela si nous n'étions pas conscrits. Je trouve curieux que vous nous reprochiez de prévoir vos vieux jours. Mon cher, si j'avais pensé à mes vieux jours au lieu de disputer le ciel aux oiseaux, c'est-à-dire faire le con, il y a belle lurette que j'aurais donné mon nom à un carburateur, une suspension ou à une pelle à tarte. Et j'aurais mon truc comme Faraday à sa cage et Pythagore son théorème. Et on me prendrait au sérieux jusqu'à la fin des siècles. J'ai l'impression que l'air de la campagne t'énerve. Oh, pas du tout, mais je ne fabriquerai pas d'aspirateur. Je ferai peut-être faillite dans l'aérostatique, mais je ne ferai certainement pas fortune dans les arts ménagers. J'ai passé l'âge des mutations. Messieurs, bonsoir. Fâcheux. Oui, embêtant. Curieux, bonhomme. Tenez, mettez ceci. Par ici. Par ici. Tu as apporté des asphodèles. Tu les aimais tant. Comme tu es belle.
Monsieur le duc, je fais entrer les chats. Allez au diable avec vos chats! Nous sommes seuls. Cette cruisante odeur de fumée. Vous n'êtes pas encore parti, qu'est-ce que vous attendez? Mais